Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous emmène aujourd'hui avec ma promotion de BTS en voyage d'études à Stockholm. Nous avons donc pris l'avion en Suisse pour atterrir en Suède dans l'après-midi. Le vol s'est plutôt bien passé, il n'y a pas eu trop de problèmes. Juste c'était la première fois pour certaines personnes, mais à part ça, ça s'est très bien passé. Voilà notre auberge de jeunesse. Ma chambre dans laquelle je dormais seul, car nous sommes seulement deux garçons dans ma promo. Et voilà la salle commune équipée où nous partagerons pas mal de repas. Après s'être installé, nous sommes partis faire un petit tour dans la capitale pour découvrir l'ambiance suédoise. Alors je vais vous laisser apprécier ces images. Premier vrai jour à Stockholm et nous découvrions déjà le petit déjeuner suédois. Nous sommes partis traverser la ville pour rejoindre l'écomusée de Skansen. Mais avant d'y parvenir, il faut faire de grands détours et franchir des ponts car la capitale est constituée à 30% d'eau et divisée en plusieurs îles. Skansen est un lieu qui a gardé le charme du traditionnel, et on peut aussi y rencontrer de nombreux animaux nordiques, et notamment des élans qui sont l'emblème du pays. Après un bon repas, une visite à l'aquarium, nous sommes partis au fameux musée ABBA.
Et après cela, nous sommes partis avec mes amis goûter une spécialité suédoise, le cannelbull, qui est d'ailleurs excellent. Pour notre deuxième vrai jour à Stockholm, nous sommes partis visiter les stations de métro suédoises car elles sont réputées pour être magnifiquement décorées. Ça nous a aussi permis de découvrir une partie des transports en commun locaux. Après cette visite, nous sommes allés déjeuner au restaurant du musée du bateau Vasa, où on se croyait dans un restaurant de luxe. On a super bien mangé. Et ensuite, on est allé découvrir le bateau qui est conservé depuis des années dans ce musée, avec des conditions climatiques très précises. Je ne sais pas si on se rend bien compte de sa taille à travers ces images, mais c'était immense. Voilà le seul jour de pluie que nous avons eu en Suède. Nous avons marché à travers la ville en passant par certains endroits phares pour atteindre le musée d'art moderne. Pendant que d'autres terminaient la visite du musée, nous sommes partis avec mes amis assister à la relève de la gare. Ensuite, nous avons visité le palais royal. Thank you.
Après cela, nous sommes partis vadrouiller à travers la rue commerçante. Et le soir, nous avons testé l'expérience de l'ice bar. Aujourd'hui, c'était direction le quai pour embarquer à bord de l'Ostana 1 pour une croisière de 3 heures à travers les îles de Stockholm. Je vous laisse profiter de ces images. Après la traversée en bateau, nous sommes retournés avec mes amis au musée d'art moderne. Puis, nous avons mangé un bout avant de rejoindre tout le monde pour une visite guidée de Stockholm sur le thème du morbide. Au fait, ce soir-là, c'était notre tour de préparer le dîner. Avant-dernier jour en Suède. Nous étions en temps libre, alors nous sommes partis avec mes amis sur une île que nous n'avions pas encore visitée. Alors que nous nous apprêtions à manger, une fille de notre promotion nous a appelé et nous a dit de rentrer d'urgence à l'auberge de jeunesse. En effet, un problème de réservation s'est produit et nous avons été obligés de quitter notre logement à la hâte. Malgré une grande déception de ne pas avoir pu poursuivre notre visite et de ne pas être allé au musée viking, nous nous sommes rabattus sur un bar typique suédois avant de rejoindre tout le monde au restaurant. Et puis finalement, nous nous sommes retrouvés dans un bar LGBT où nous avons fait la fête. Et voilà, surprise, notre dernier logement est un bateau. Nous avons dormi dans un bateau. Incroyable, c'était la première fois pour moi et c'était une superbe expérience avec une superbe vue. Et voilà, nous y sommes, le jour du départ. C'était dans l'ensemble un bon voyage, malgré quelques petits soucis. Et maintenant, il ne reste plus que la dernière ligne droite avant nos examens de fin de BTS.
J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était la première fois que je faisais un peu ce genre de format là avec les commentaires audio. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Merci beaucoup, au revoir.